Salut à toutes et à tous, c'est Yov, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Minecraft. Cette fois-ci, j'ai décidé d'abandonner le monde qu'on avait avant, enfin je l'ai toujours, hein, bien sûr, si vous désirez des autres vidéos sur celui-là. Mais cette fois-ci, on travaille sur mon monde personnel. Alors, mon monde personnel, c'est tout ce que j'ai, c'est là-dessus, c'est enfin tout ce que j'ai. J'ai démarré il n'y a pas longtemps, mais je trouve que ça peut être vraiment une très très bonne aventure dans cette ambiance. Alors, regardez la vue que j'ai. Alors, je vous présente mon chez-moi après. Alors, ça, c'est mon petit. Un petit coin d'agriculture sur les cannes à sucre. Donc, voilà, avec un petit fleuve comme ça, pour délirer. Ensuite, nous avons. Voilà, tada! Ma maison. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Hein. Voilà. Ça c'est mon petit puits hein, avec l'eau infinie. Enfin, presque tout le monde connaît cette technique pour avoir de l'eau infinie. On va rentrer dedans. Hop. Alors là on a un petit bac avec avec de l'eau. Et on peut voir à travers. Donc c'est sympa. Ici aussi c'est pareil. Et cette maison. Je me suis fait aider pour construire cette maison. Je me suis fait aider par Zadix59. Alors si vous ne le connaissez pas, allez voir ses vidéos sur Dailymotion. Il fait des vidéos sur Minecraft. Il s'est lancé dans les vidéos Minecraft. Là c'est mon petit coffre. Voilà, avec tout ce que j'ai carrément. Hein, c'est déjà mieux qu'avant. Ensuite, ici. Tada! Alors je vais prendre seulement l'épée en diamant. Parce qu'on va faire une exploration. Par contre. Je suis en mode peaceful. Ouais, on va mettre en normal, voilà. Et ici, nous avons tous mes ressources. Alors, j'ai pas mal de métal. Il me faudra de la redstone, par contre. Et donc voilà. Donc j'espère que cette vue vous plaira. Hein. Je trouve ça vraiment sympa. Merci Zadix d'avoir donné cette idée-là, car elle est vraiment jolie cette maison. Alors là, c'est ce que j'ai fini. Enfin, elle n'est pas encore finie vu que il me faudra la glowstone ou des trucs du genre parce qu'on ira faire un passage au Nether. Alors j'espère que je parle pas trop vite parce que ça me plaît vraiment ce monde et je suis très heureux de partager cette aventure avec vous. Alors j'espère que cette aventure vous plaira plus que celle qui était avant. Hein. Mais je vais quand même continuer en épisode parce que on est à l'épisode 9. Hein. Donc voilà, je l'appellerai épisode 9 quand même si nous avons changé de monde, c'est pas grave. Alors nous avons l'épée en diamant, ça c'est bien, ça c'est un bon point. Alors ce monde par contre là, ce n'était pas le monde de base que je connaissais. Hein. Ça c'est pas du tout le monde que je connaissais avant. Parce que avant c'était un désert, j'étais arrivé en plein désert, j'ai fait une petite cabane, une maison toute normale, toute basique. Pour y mettre mes objets, mes ressources. Et j'ai trouvé une grosse grotte avec les diamants et tout le bazar. C'est pour ça que j'ai pu me faire l'épée et la pioche. Alors la pioche, on la prend pas encore. On essaye de faire tout d'abord l'obsidienne pour aller faire un détour dans le Nether quand on aura assez d'obsidienne. On essaiera d'en avoir 16 parce que ben voilà, c'est ce qu'il faut. Ensuite, ouais, donc au début j'étais dans un désert, tranquillou. Et ensuite, j'étais dans une grotte, et cette grotte, j'ignorais qu'elle était sous l'eau. Alors j'ai continué, j'ai marché, j'ai exploré partout, partout, j'ai trouvé plein de métal. Et j'ai voulu remonter à la surface et je trouvais pas la sortie. Alors j'ai creusé vers le haut, et j'ai vu une source qui descendait. Alors c'était sûr que c'était dans l'eau. Je suis remonté grâce à... Oh, petit lac, c'est pas grave. Alors je suis remonté grâce à la petite source qui se présentait à moi. Alors je suis monté et je suis tombé de loin sur cette map là. Et alors là je suis tombé sur le charme. Je me suis dit on s'en fout, on va refaire une maison. De toute façon j'ai mes diamants, j'ai mon métal, c'est bon, je suis prêt. Let's go. Alors là, on va éviter de sauter, hein, parce que voilà. Ah oui, et je vais vous présenter mon truc adoré de cette map. Franchement, je suis vraiment très heureux de cette map. Alors là, il y a des moutons. On va en tuer un, allez, hop. Oh oui, oh ça fait du bien de tuer un mouton en un coup. Ça fait du bien. Donc, oh et ben il y en a plein. Ah bah tiens, ah bah tenez, on va les tondre.
Parce que j'ai la petite tondeuse sur moi. Alors regardez ça. Ça, c'est pas beau, ça. Oh, moi, je trouve ça magnifique. Oh, mais il m'en a chié combien, lui? 5? Et lui? Ouais, 4! Ah, c'est très utile, hein. Je savais pas que c'était aussi utile que ça. 2, 3, 4, 4. Alors, on en a ramassé 13 en 3... en trois moutons, tranquillement. Alors j'espère qu'il n'y a pas de monstre ici qui se cache, en fait tant mieux. Hein. Pourquoi pas affronter un petit creeper sans rame, ça c'est parfait. Alors vous l'entendez sûrement que je suis très heureux avec cette map. Hein, parce que oui, c'est le cas, je suis très heureux de cette map. Même si parfois bon il y a des petits lags, mais ça c'est pas grave, voilà comme là. Mais c'est pas grave, on va explorer tranquillement. En espérant que ça fasse pas ça devant un creeper, parce que là ce serait le total fail. Voilà. Ça a repris, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Ça arrive pas souvent, je vous le jure. Hop. On va mettre une torche là, on va s'équiper notre épée. C'est bizarre que ça rame comme ça. Ça ne le faisait pas tout à l'heure quand j'ai voulu faire un test. Ici, il n'y a rien. Ici. Non plus, parce que je suis déjà arrivé hein, ici. Par contre, je vais regarder vite fait s'il y a des monstres dans les alentours. Hein, juste comme ça, histoire de voir. Ok, d'accord. Alors là, voilà. Voilà cette grotte énorme, magnifique, que nous allons explorer tous ensemble. Juste énorme. Juste magnifique. Alors, dites-le-moi. Hein, dites-le-moi quelle aventure vous désirez suivre. Celle-là ou celle d'avant que l'on a commencé ensemble. Enfin, commencé, j'avais commencé tout seul, mais c'était spécial pour vidéo. Mais là, je sais pas, je trouve que cette map pourrait vraiment faire bien dans une vidéo, dans des vidéos. Alors, voilà. Je vous laisse le choix, hein. Je vais pas faire une longue vidéo sur cette map. C'est juste pour vous dire et vous demander qu'est-ce que vous préférez. Cette map. Ou bien l'ancienne qu'on avait fait déjà ensemble un peu. À vous de choisir, hein, le destin de l'ancienne map est entre vos mains. Alors là, c'est déjà une lave. Alors ça, c'est pas mal du tout. Là, il a l'air d'avoir pas mal de trous. Je vais mettre des torches. Hop. Ici aussi. Oh, mais il y a vraiment beaucoup à faire ici. Il y a vraiment beaucoup à faire. Alors c'est pour ça, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo plutôt ici. Ce serait vraiment beaucoup plus sympa. Oula, mais on tombe. Oh là. Excusez le bruit de la moto qui passe devant chez moi. Non. Hop. Oula. Oh! Il est là-bas. Allez, viens. Tête de gland. Hop, allez, viens. Tiens, crève. Oula. Deux coups, il est mort. Alors ça, c'est pas mal. Hop, on se casse, taillot, taillot, taillot les amis, taillot. On se barre. Mauvaise idée de creuser avec l'épée. Hop, hop, hop. Oh, il y a un squelette dans l'ombre là. On va l'affronter? Allez, on va l'affronter. Eh, viens. Allez, viens. Tiens, enflure. Enfoiré de milieu. Non. On va allumer quand même en dessous du canyon. Enfin, je sais pas si je peux appeler ça un canyon. Bon, si, ouais. Si, je peux appeler ça un canyon. On va rentrer chez nous vite fait, bien fait, parce que là, je sens les creepers arriver. On a combien de minutes de vidéo déjà? On est à 9 minutes. Bon, ça va, ça peut faire une bonne vidéo sur ce petit monde, malgré quelques petits lags, mais vous remarquerez que c'est moins grave que l'épisode 8. Parce que j'ai trouvé comment faire pour moins laguer, donc voilà. Pour ceux qui veulent savoir comment je fais tout simplement F11 pour avoir le jeu Minecraft en grand écran, tout simplement. Et puis voilà. Oh, est-ce qu'il y aura des monstres qui spawneront devant nous? Alors regardez-moi cette vue. Est-ce que c'est pas beau ça? Enfin, bien sûr, il y a les petits pixels des vitres qui gâchent un peu, mais est-ce que c'est beau ça? Moi, je trouve ça vraiment magnifique. C'est tout. C'est juste magnifique. Oh oui, c'est très très beau. Hein. Oh oui. Alors attendez, on va dormir et on va voir s'il y a beaucoup de monstres qui ont spawné. J'espère ne pas me faire réveiller, je garde mon épée en main.
Ça va, ma maison est bien éclairée. Au-dessus aussi, j'espère. Normalement, oui, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des creepers ici? Parce qu'on était harcelés à la mort par des creepers avant. Non. Mais peut-être en dessous du canyon, il y en a. Ou alors ici. En dessous du canyon, j'en vois pas non plus. Voilà, bon bah c'est tranquille, hein, écoutez. Pour l'instant, je suis vraiment tranquille. On va descendre par où? Par là. Ah bah il y a un creeper là-bas quand même, je m'inquiétais, hein. Je veux dire que l'espèce est menacée. Bon allez, on va le battre. Allez, ce sera le premier creeper de ce monde à battre. Comme ça, c'est fait. En tout cas, j'en ai rencontré pas mal hein, dans la grotte où j'ai trouvé les diamants. Je me demande même s'il n'y avait pas un donjon de creeper. Alors, Zadig59 est tombé sur un donjon de creeper. Hein. J'aurais bien aimé avoir un screen, mais apparemment, il y a eu je ne sais pas quoi. Bon, c'est pas grave. Mais je suis sûr que ça peut exister, mais ça doit être très 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 rare. Donc voilà. Hop. En tout cas, c'est vrai que ça pourrait être bien un donjon de creeper, parce qu'on pourrait exploiter les creepers qu'il y a là-dedans. Et on pourrait avoir pas mal de poudre pour faire de la TNT, et ça, ce serait vraiment bien. On va aller tondre les petits moutons. Les petits moutons. Allez, les petits moutons, merci. Hop. Hop, toi, tu vas me donner ça. Là, j'ai bien envie de mettre une torche. Je sais pas, je trouve que c'est pas très éclairé ici. C'est bon. Ah, il y a un mouton qui m'a échappé là. Hop, allez, viens à moi. Merci. Ah, bah, je suis content de plus trop ramer. Alors, ah oui. Regardez-moi ma maison d'en dessous. Je sais pas vous, mais on dirait la tête de. Oh, j'ai oublié un cube. Est-ce que j'ai de la bouse sur moi? Je n'ai pas de bouse, mais j'ai de la laine. On va essayer avec la laine, hein, on s'en fout. Faisons. Hop, je pourrais la récupérer. Et on est à 12, presque 13 minutes de vidéo. Par contre, est-ce que j'ai des vitres? Ah d'accord, j'ai pas de vitre. Bon, pas mal. J'ai l'air vraiment con. Je sais pas s'il y a un outil pour avoir plus vite la laine. Enfin, je sais pas. Ah, peut-être les... Ah bon, l'épée, ça va plus vite apparemment. Bon, bah d'accord, hein. Hop. En tout cas, la laine, c'est très utile si on veut vraiment faire de la déco. Hop. Si on veut vraiment faire de la déco pour notre baraque. Comme la mienne, hein, voilà, j'ai mis de la laine violette. Ah oui, en parlant de laine de couleur, on m'a lancé un défi. Le défi de faire un tapis de couleur. Un tapis de laine de toutes les couleurs possibles de Minecraft. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Exactement, pourquoi pas? Alors, j'essaierai de faire déjà ce que je peux déjà là. Dans la prochaine vidéo. Je vais essayer de me renseigner aussi pour essayer d'en avoir un maximum. Alors là, c'est bien, j'ai déjà la laine, j'en ai 31. C'est déjà pas mal. Ouais, parce que j'ai mis de la laine violette. Je sais pas ce que vous en pensez de la laine violette, enfin. Moi, je trouve ça beau. Enfin, je préfère ça que jaune, en tout cas. Mais le jour où je peux mettre de la verte, je remplace. Hein. À moins que vous aimez bien violet, hein, dites-le moi. Oui, donc, ah oui, il me faut une vitre. Oh, par contre, je vais devoir vous laisser, les amis. Je vais aller placer cette petite vitre hors vidéo. Bon, on va se quitter sur un petit lag. Donc voilà. J'espère que vous répondrez à ma question. Est-ce que je fais la suite de nos aventures sur cette map? Oui, non, oui, non. À vous de me le dire. Alors moi, je vous dis salut à tous. À bientôt. Prenez soin de vous. Salut à tous!